Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV et il est temps de continuer notre petit voyage chez les Yokui. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, l'abonnement, le commentaire, le petit like et également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. On est en train de chercher, bien entendu, le responsable, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pour ce coup. Des Yokui, afin de pouvoir passer l'épreuve. J'ai pas vu la... Allez-y. Voilà. N'avançons pas, des tons, plutôt à des vestiges d'ancienne demeure. Vu leur état, ils ont dû être laissés à l'abandon depuis des lustres. Tu vois ce cratère? Il ne contient pas la moindre trace de bois ni de végétation, et pourtant, des feux brûlent toujours en son sein. Après les gestes du lit, c'est Vagamanda qui l'aurait façonné en déchaînant son pouvoir. Les gens se rendent compte que ces flammes sont éternelles, et que même un ouragan ne suffit pas à les éteindre. Je pensais que l'auteur avait grossi le trait, mais il faut croire que non. Enfin, bref, les preuves éternelles sont au bout du chemin, vers le nord-ouest. Essayons de rattraper Wiklamar avant qu'elle ne s'égare. C'est pour ça que j'ai pas encore réalisé. Parce qu'elle est sûrement tout près de vous, Flamma. Eh, c'est moi la première arrivée. Bien, puisque tout le monde est là, je vais tout de suite interroger ce sympathique Okui. Salut, c'est toi Kerfulure? Oh non, je ne suis pas le grand chaman. En revanche, celui-ci m'a confié une mission cruciale, celle de vous parler de nos tombes. Ah, ça veut dire qu'on s'est pas complètement planté, revenons ici. Eh bien, vas-y, raconte-nous tout. Qui sait ce que vous avez enterré dans le coin? Personne. Les corps parvenus à expiation sont incinérés, et les cendres restantes sont rendues au cime du Rukupacha. Voyez-vous, notre représentation de la mort diffère sensiblement de la vôtre. De votre point de vue, elle ne servira pas lorsque le cœur d'une personne cesse de battre, mais lorsque son souvenir s'efface de l'esprit de tout un chacun. C'est pourquoi nous érigeons des tombes avant qu'elles ne se fichent les corps, des tombes hautes numes, afin que les souvenirs des uns et des autres perdurent éternellement. Voici par exemple la tombe d'un ami qui m'était cher. Son enveloppe charnelle s'est éteinte il y a maintenant quelques années, mais il continue malgré tout de vivre en moi. J'ai également ma propre tombe. Tant qu'elle sera debout, jamais je ne mourrai. Chaque fois que quelqu'un s'en approchera et lira mon nom gravé dessus, ma vie se poursuivra, à l'instar de celle de mon ami. Juste par curiosité, votre tribu a toujours eu cette vision particulière de la mort. Vous feriez bien d'aller aux profondeurs inoubliées. Vous y apprendrez notre histoire et obtiendrez par là même la réponse à votre question. Un peu qu'on va y aller. Les Yokui ont l'air d'avoir des spécificités culturelles étonnantes. Je suis très curieuse d'en savoir plus. J'avoue que c'est particulier cette manière de penser, mais c'est cool. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dorénavant, je vivrai également à travers vous. La coupe d'or inoubliée se trouve au bout du chemin, juste là. Faites bonne route et soyez prudents. Et... profondeur inoubliée. Sûr, ce sera plus simple. Petite gazelle. Oh, elle est morte devant, ça fait longtemps.
Ah non, c'est pas. Okay. Oula, un gros minotaure. Nous y voilà. Il existait dans le cœur des gens, même une fois que l'enveloppe physique s'est éteinte. Voyons les choses sous cet angle, on pourrait dire que mon grand-père Galeux vit toujours à travers moi. Ouais, avouez que l'idée est plutôt réconfortante. Je n'avais jamais adressé la parole à Goku de ma vie. Je suis surpris de découvrir la représentation particulière de la vie et de la mort. J'ai vu les peintures murales au-dessus d'une tête. Bon, j'en compte 4, et chacune semble représenter une scène différente. Apparemment, ce Yokui aussi avait prévu notre arrivée. Pardon de déranger, le Goku d'épreuve éternelle nous a conseillé de venir ici. Et vous avez bien fait puisque je vous attendais sur ordre du grand chaman. Je fais partie de la lignée des Yogi Compteurs et mon rôle est de transmettre l'histoire ancestrale des peintres sur ces murs. Ces fresques sont monumentales, j'imagine qu'elles décrivent les moments clés de l'histoire des Yokui. Exactement! Le grand chaman tenait à ce que vous sachiez le véhicule de notre peuple avant de vous soumettre son épreuve. Ah, mais on demande que ça! Vas-y, balance! Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Sur cette première fresque est dépeinte l'âge d'or des Yokui, une période qui, d'après la légende, remonte à plus de 1100 ans. Dotés par mère nature d'une carrure exceptionnelle et d'une force physique à l'avenant, nos ancêtres avaient subjugué la grande majorité des peuples du Yokturale. Or, cet exploit n'étant en rien leur soif de pouvoir, et bientôt ils tournèrent leur regard avide vers le nord. Ce fut la tentative de conquête du Xacturale que vous voyez représentée sur cette seconde fresque. Nos aïeux mirent un siècle entier à construire le pont géant qui leur permettrait de traverser le détroit séparant les deux moitiés du continent. La traverse de Zogor. Eh bien, c'est ce qui s'appelle avoir la suite dans les idées, ou la folie des grandeurs, au choix. Mais attends, il n'y a pas de Yokui au Xacturale. Non, et vous allez comprendre pourquoi en examinant la troisième fresque. C'est Yokui à terre. Et toutes ces tombes, que s'est-il passé? C'était il y a 1000 ans. Nos ancêtres venaient tout juste de poser le pied au Xacturale lorsqu'ils furent atteints par une mystérieuse maladie. Une maladie? Oui, celle-ci n'avait rien de nouveau. C'était une infection saisonnière bien connue des Tonawanta et des Chetona locaux, laquelle se traduit généralement chez eux par un simple rhume. Or, pour une raison connue, elle s'avérait bien plus virulente au sein de notre race, au point de nous décimer par milliers. Du fait, notre population fut réduite à 90%. À ce malheur vinrent s'ajouter de nombreux problèmes de fertilité pour les Yokui survivants. Conséquence là aussi de la maladie. Comme quoi, ça peut être dangereux. C'était sans doute une question d'exposition préalable et d'immunité. Ou plutôt d'absence d'immunité. De quoi couper court à toute ambition de conquête, effectivement. Ça explique sans doute également pourquoi les Yokui préfèrent incinérer leurs morts plutôt que de les enterrer. Sur la quatrième et dernière fresque, vous aurez reconnu Rukupacha. Après leur tentative d'expansion avortée, nos aïeux regagnèrent le pas lourd et le cœur endeuillé, leur berceau montagneux. Il faut savoir que c'était ironiquement dans l'optique de défendre ces lieux qu'ils avaient adoptés, toutes ces années durant une posture belliqueuse. En effet, ils avaient jugé que tous les autres peuples, à l'apparence et à la philosophie différente de leur, finiraient tôt ou tard par les attaquer s'ils demeuraient passifs. Vaincre ou être vaincu, nos ancêtres firent leur choix.
Seulement, à mesure que les batailles s'enchaînaient, la paix promise semblait leur échapper de plus en plus jusqu'à ne plus être que la loi d'un mirage. Et c'est après leur ultime déroute au nord et leur retour aux sources qu'ils eurent enfin alors une révélation. Le Ridio, tout ce quoi ils aspiraient se trouvait de là depuis le départ. Cette chance que nous avons de vivre ici, sur notre terre natale et d'y graver nos propres souvenirs. Tout bien considéré, il ne saurait exister de paix plus parfaite. Donc, l'agitation de la guerre vous empêchait de distinguer la vérité. J'en ai terminé, en espérant que vous saisissez les grandes lignes de notre histoire. Oui, j'ai bien compris qu'il y a eu un tournant dans votre façon d'envisager les choses. Alors, ainsi que pour le pourquoi du comment. En tant que Turalienne et peut-être futur Orarch, c'était un récit éclairant à plus d'un titre. Je peux donc à présent vous le révéler. Le grand chaman vous attend au sommet des cimes sacrées de Warcor Zormor. Ah, je savais bien qu'on n'y couperait pas. Enfin, c'est tant mieux. Quitte à nous imposer des épreuves, autant pas faire dans la demi-mesure. Vous pouvez accéder à Warcor Zormor en vous dirigeant plus au nord. En revanche, le chemin jusqu'au sommet est peuplé de bêtes féroces et autres vicieuses créatures, alors faites attention à vous. Donjon! Soyons honnêtes. Toi aussi, prends soin de toi. Et merci encore pour l'explication des fresques murales. C'était super. Allez, on est parti. Direction Warcor Zormor. C'est passé, il va nous agripper. La question en ce temps, est-ce qu'il va venir nous embêter jusque là? Non, pas. Les jambes en compote avec tout ce dénivelé. Ça m'en prendra à fanfaronner. Le manque d'air devient insupportable. Je respire comme un proxy asthmatique. Oh, t'es là, toi. Ici, c'est au cas où tu te ferais lésiner, mais je ne suis pas du tout fatigué, hein. Pas du tout fatigué. La preuve, je pars devant. Regarde, allez hop. Bon, après, plus que ça, que je me fasse rattraper à la file les autres. Même pas en rêve. Alizé. Silex. Des bombos au pire. Pas de jouer les guides ici. Warcor Zormor fait partie de ces lieux inexplorés du Tural. Quasiment aucun ouvrage en parle à ma connaissance. Utiliser un peu de ma magie de soie sur Wiklama, juste de quoi la soulager des ampoules aux pieds et d'autres crampes que la montagne lui affligeait. Nous y voilà, Warcor Zormor. D'ici, on a vraiment l'impression que la montagne va nous écraser de toute sa hauteur. Sacrée montagne, faut bien. Qui sait, peut-être qu'on va tomber sur Bakujaja sur la route qui mène au sommet. Ce serait le moment de lui rendre la monnaie de sa pièce. On pense à ce que nous a raconté devant les fresques, que les Wokui, à force de faire la guerre, avaient fini par perdre de vue la paix qu'ils désiraient au départ. Ce voyage-là aussi doit passer l'épreuve des tombes, ça veut dire qu'il va entendre le même récit. Lui qui veut pacifier le monde par la force, je me demande s'il va en prendre de la graine et se remettre en question. J'ai des gros doutes. En chaman. J'ai quand même des gros doutes, soyons honnêtes. Je pense qu'on devrait l'affronter à un moment donné. Mechakucha take na. Ima kara kore o nobon no ka. Vade. Goma, Draa Yorkoro ga.
ところどころしか聞き取れないが、ヨカフ遺族の古語のようだ。やはり通人か。ヘドが出そうだが、貴様らにもわかるよう、トライオラ公用語を使ってやろう。貴様ら、継承の儀とやらの参加者だな。お？まあ、そうだけど。ならば貴様らを亡き者とすれば、トライオラは時代の為政者を失うということか。なんか感じ悪いじゃねえか。これまで出会ったヨカフ遺族とは違う事情がありそうだな。グルージャジャの下僕となった恥知らずどもと一緒にしてもらっては困る。我らチーワグーエンデンを拠点とするヨカフ遺族は再び大陸の覇者となり、かつての栄華を取り戻すべく戦う偉大な一族だ。ウォーラーの残響に暮らすヨカフ遺族とは別の一派ということか。あいつらは軟弱者じゃねえし、親父の下僕でもねえよ。ただ気づいただけだ。本当に欲しかった平和は最初からここにあったんだってな。それこそ軟弱者の言い訳に過ぎん。千年以上も受け継がれてきた悲願から目をそらし、先祖たちの思いを忘れ去った恩知らずどもだ。もはや奴らを当てになどしておらん。一族の悲願は我がこの手で掴み取る。忌むべきトライオラの王女である貴様の命を反撃の呪しとしてな。やめろ。できれば戦いたくねえ。ならおとなしく死ね。造毛の会長め、騒ぎを聞きつけて我らを狩りに来たか。降りてこい。先に貴様から始末してやろう。どういうつもりだ。どうもこうもねえよ。勝手に体が動いただけさ。それにお前らが死んじまったら二度と話せねえだろ。話せなきゃお前らのことを知ることもできなくなっちまう。私はお前らのことが知りてんだ。知る？だと？何のためにだ。何のためにって、そりゃ同じ大陸で生きるお前らのことを好きになりてえからだよ。そいつの具合はどうだ？命に別状はないよ。しかし歩けるようになるまでもう少しかかりそうだ。
よし。ならアルフィノはそいつの治療を続けててくれ。私らは暴行増毛を目指す。ああ、わかった。気をつけて行ってきてくれ。こんなことで我らは悲願を捨てたりはせんぞ。それでいいさ。私を殺してえならいくらでも受けて立ってやる。だからお前も一族の王様なら今は仲間の心配をしろ。これだけの山ともなれば俺の知らない生き物も多く生息してるはずだ。梅雨払いは頼んだぞ。行くぞ。こいつを登った先にグーフールーがいるはずだ。Il est probable que le boss final du donjon sera l'oiseau. Hein. Warcor Zormor. Le soigner. Bonne chance pour l'épreuve des tombes. Ok. On va faire le donjon alors. Bon, on va se retrouver dans un instant pour vous. Je vais faire le donjon et comme d'habitude, si j'ai oublié de mettre le donjon dans les fiches, n'hésitez pas à me le dire vu que ce sera un épisode à part. A de suite. Et nous voilà à la fin du donjon. Le boss était tout simplement Gurlufur, le chef, et qui nous teste. Si vous voulez voir le combat, n'hésitez pas à aller voir l'épisode donjon. Comme d'habitude, je le mettrai dans les fiches. Je sais, je l'ai dit juste avant le donjon, donc pour vous, c'est notamment il y a quelques instants. Et je sais, je l'ai déjà dit aussi, mais n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié en commentaire que je passe ça en fiche. Let's go. Lui fait géant. Aratamete, nanotte oko. Ore ga Yokafuizoku no saishichou ni shite, Renwou no senja, Gufuru da. Mura no renchou yori mo zuibun dekai nda na. かつては全てのヨカフィ族がこうだったという。だが一族に病が広まってからというもの。なんだ、何か説明ロジック。俺のような体育で生まれてくるものは稀になった。千年前のサカトラル出生で患ったという伝染病のことだな。壁画にも記されていたが。そしてその病こそが黄金鏡の伝説ともつながっている。トラル大陸に広まっている黄金鏡の噂はあなたたちヨカフイ族が出所だと聞いたわ。まずそれは確かかしら。正確には俺たちの祖先の原始が掘ったんだがな。サカトラル出生の少し前のことだ。祖先たちは夢の中で黄金に輝く国を見たという。永遠を生きる人々は争いも貧しさもなく、ただ幸せのうちに暮らす理想の世界だ。この夢を見たのが一人ならただの笑い話で終わっただろう。だが
同時期に数十、数百の祖先たちが同じ夢を見たことで、当時の祭司たちは神からの啓示だと考えた。そんなことって。サカトラルへの出征は黄金鏡探索という意味もあったのだ。支配下に置いていた各部族も駆り出して大規模な捜索が行われたらしい。なるほどな。そこに巻き込まれた奴らが黄金鏡について語り継いだから、どの部族にも似た伝説が伝わってたわけだ。次の継承候補者が現れたか。ならばお前たちの力も計らせてもらうぞ。Oh, ça, il a des potions. Junbi wa banzen, というわけか。Seconde équipe voudrait dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre n'est pas passé avant nous. Migoto. Sono chikara, tokuto misete moratta.ウクラマと王女ともども墓の試練を超えた証を授けよう。Et on a quatrième batch. Non, troisième, je sais plus. On le compte à force. Troisième, je pense.Non, quatrième parce qu'il y a les meubles là. Quatrième parce que nous avons trois. これなる点検で、あなた方と競い合えればよかったのですが、爆風ジャジャの襲撃をかわしながらでは望むべくもなく。あの野郎、また汚ねえ真似を。しかし手出ししてきた割にこちらが応戦してみせたらあっさりと引いていった。一体何が目的だったのやら。目的といえば試練の場として王侯蔵毛の山頂を選ばれた理由も気になります。今回の試練はあなたを探す過程でヨカフイ族の歴史を知るような構成になっていました。そうであればこの場所にも意味があるのでしょう。ああ、ここは俺たちにとって特別な場所なのだ。周りにあるのってお墓よね。この山頂に祀られているのは歴代のヨカフイ族の祭司長、そして80年前にこのオルコパチャを襲った災厄、バリガルマンダと勇敢に戦った猛者たちだ。道理で数が多いわけだな。ゾラージャ兄さん、やっぱり先についてたのか。うん、おや、ウクラマト様、
ご双剣のようで何よりです。それじゃてめえよくも。ここをどこだと思っている。罵り合いで場を乱すようなら出て行ってもらうぞ。あ、そうだったな、悪い。他の候補者を待つ必要はもうあるまい。父上の生前墓とやらまで案内しろ。親父の墓？Croyez quoi, tu n'en avais pas une? T'as précisé les guerriers qui ont pas dû le viral. Il l'a combattu aussi, donc il a sa propre trompe. C'est le nom de Barigalmanda. Il y a le nom de Guru Jaja. Il y a le nom de Guru Jaja. Il y a le nom グルージャジャ。意外な名前も刻まれてるな。世界の広さを知る航海者ケテンラム。ケテンラムってトラル大陸に初めて渡ったリムサロミンサの探検家よね。彼もレン王と一緒に旅をしてたってこと？道を追い求める探求者カフキは。まさかこの名前まで刻まれてるとはな。ça c'est murmuré je suppose。 ヨカフイ族以外の者が生前墓を建てることなど異例のことであったが、彼らはそれにふさわしい偉業を成したのだ。武と利を持って平和をもたらした覇者か。やっぱ親父はすげえや。武によって波動を進むものか。バリガルマンダを封印することができたのは氷の魔力を暴走させた利があってこそだけどね。武と利か。武に関しちゃ武の親父の技を継いだゾラージャ兄さんにはかなわねえ。リだってリの親父の知識を継いだコーナ兄さんの方が優れてる。なら私が親父から受け継いだものって一体何なんだ。Peut-être des vertus autres que celles que tu as citées, son attachement à la paix. Oui, les deux. Soka. Soudaina. Atashi wa, oyaji kara heiwa wo aisuru kokoro wo uketsuida. Toraru Taiiku ni ikiru minna no koto ga suki da tte kimochi.こればっかりは誰にも負ける気がしねえ。私は私のやり方で平和を守ってみせるぜ。みんな大変だ。すぐにウォーラーの残響へと戻ってきてくれ。バリガルマンダの封印が解かれたんだ。今の轟音に関する報告か。なんだと？バリガルマンダが。とにかく急いで戻るぞ。Ça commence à arriver. C'était censé durer quelques années de plus. Le sceau a été brisé. Quelques
fais les... Comment ça s'appelle ? Comment on dit ça encore ? これはこつの他の候補者たちに先行する好機ではありませんか。 Je ne pense pas qu'il va prendre de l'avance. Il va vouloir faire comme son père et l'affronter. Pour moi, c'est Bakul Jaja. Voilà. Ah. Ça, c'est dit. Ok, retour à la cité. Mais après, je pourrais enlever Rox. Le Chocobo Rox. Apporte mon grand. Ah, te voilà toi aussi. Honnêtement, je ne suis pas trop sûr de ce qui s'est passé. Je suis revenu ici après avoir détecté une forte concentration d'éther. Je trouvais les Waku dans cet état. On est en train de les soigner chacun de notre côté. Je sais que tu reviens tout juste de War Corps mort, mais tu dois et que tu dois être fatigué. Néanmoins, ton aide sera la bienvenue. Visiter War Corps mort avec l'aide d'une équipe. Ah, je sais. De chaud à l'écho. Tu veux bien nous donner un coup de main? On va voir les Yokjui et être les dans la mesure du possible. Appelle-moi si certains sont dans un état grave ou ont perdu connaissance. Je te laisse, j'ai du pain sur la planche. On se retrouve ici quand tout sera plus ou moins rentré dans l'ordre. Donc, vu le titre, on va peut-être avoir droit à un petit passage de l'écho. Donc, on se connaît, je crois. Je me promenais à la dehors quand l'air ambiant soudainement tournait rouge vif. Puis j'ai eu l'impression de brûler de partout. Et me suis effondré au sol. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Au moins quelqu'un l'a libéré. Parce que Bakul Jaja est dans le coup avec la reine ou je sais plus comment elle s'appelle, l'accompagnateur de l'autre. Tant pour autant que Zaranja soit au courant, mais voilà. Surtout avec leur retard qu'il y avait. Mes blessures sont superficielles. En revanche, j'ai la gorge affreusement sèche. C'est comme si toute l'eau de mon corps s'était évaporée d'un coup d'un seul. La peau en feu. La moindre flamme me fait souffrir le martyr. Cela dit, mes jours ne sont pas en danger. Elle peut te aider les Yoku qui sont vraiment dans l'emploi. J'ai pas vu qu'ils étaient là. Il y a évidemment de quoi s'inquiéter sur la libération de Valgarmanda. Mais pour l'heure, le soin des blessés passe en priorité. Beaucoup de Yokui pris en débrouille à divers degrés. En revanche, il n'y a pas eu d'incendie comme leur maison sans pierre. On va dire qu'ils s'en tirent à bon compte. Ils ont déjà détecté un puissant éther de feu baignant dans tout le village. Ça me dit rien qui vaille. Les autres sont dans les environs ou... Ouais. Let's go. C'est bon, j'en ai terminé de mon côté. Et toi, ça va? T'as pas repéré de blessés graves? T'as pu t'en sortir toute seule? Je suis ileuse, ça va quoi? Oh! Tant mieux, on va pouvoir respirer un peu.
C'est bon, on a tous fait notre part du boulot. La plupart des yogis souffrent des brûlures plus ou moins graves. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant notre absence? Moi-même, je n'en suis pas tout à fait sûr. Je venais de finir de soigner l'acolyte de Vorpolor, le Yokui qu'on a croisé à Warcosomor. Puis je suis revenu ici, et n'ai plus que constater les dégâts. Plusieurs des blessés m'ont alors informé que le sceau contenant Valgarmandai avait été brisé. J'ai eu bon de vous informer aussitôt par les perles. Faudrait qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Ouais, allons jeter un œil dans le temple, là où Valgarmandai était retenu. Comme ça, on sera fixé. Enfermé pendant 8 siècles, et c'est quand on arrive qu'il se libère, évidemment. La question c'est, est-ce qu'on va devoir affronter dans l'histoire ou en annexe, comme on en a déjà discuté à plusieurs reprises. C'est ça, il y a de se perdre en conjecture, allons plutôt voir à l'intérieur du temple. Je sens que Gurfelur est revenu au village lui aussi, j'espère qu'on va pouvoir redémêler ensemble toute cette histoire. C'est passé un truc pas net dans ce temple et je veux savoir quoi. Peut-être s'agit-il simplement de malentendu, mais j'en doute fort vu l'état des yokus du village. En tout cas, nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Bye.